Ah, je suis content là, j'ai regardé des bons films. J'en ai regardé un, ça s'appelait Scott Machin Truc. Ça, c'était un film délirant, je l'ai regardé sur Sci-Fi. Et je regardais, je crois que c'était Le Chemin des. J'ai oublié les titres. C'est Neuf Portes, machin chose. Avec Johnny Depp, voilà. Un film de Polanski, voilà. Voilà. J'ai regardé deux films. Non, par contre, celui-là, il était pas sur Sci-Fi. Non, ça, c'est un que j'ai. Je vous le dirai pas comment je l'ai eu, hein. Je veux pas aller en prison. Oh. Bon. Ah, celui sur Sci-Fi était délirant. C'est vraiment le film que sorti de nulle part. Ah, c'est canadien, ils sont forts. Donc là, je vais prendre l'affichage sur 50. Oui, je fais encore des vidéos de test. Voilà, j'ai une super envie de vous faire des vidéos de test en ce moment. Vous l'avez sûrement remarqué. Donc là, on va commencer par R-Type Final. Je m'en rappelais pas du tout que ce jeu. Je sais même pas si j'y ai joué. Et donc là, on peut choisir français. C'est déjà bien. On peut choisir différentes langues. N'éteignez pas la console. Franchement, tu crois que je vais l'éteindre? Je sais pas. Yosh. On m'en prend un con, hein. Comment c'est. Oui! C'est bien la première fois qu'on me l'annonce de cette façon. Commencez quand même! Ouais. Oh putain! Ça, c'est pas un jeu de PD. Parce que quand le truc il brûle, c'est. Voilà. Metro 3D. 3D. Irem. Yosh. T'as pas un truc que je connais plus, hein? Non, sponsor, non? Bon. Je sais pas qui c'est qui l'a dopé, Irem Software. Ah bah donc c'est eux qui l'ont développé et peut-être édité. Non, là pour le coup, contrairement aux deux précédents jeux que vous avez fait, là je me suis pas renseigné. J'ai l'impression que c'est Irem et mes. Trop qui sont les seuls à avoir développé et édité. Et les seuls sponsors, résultat. Ah, d'habitude, je m'attends à avoir des sponsors de partout, là il y en a pas. Alors est-ce bon signe? Ou est-ce mauvais signe, justement? C'est peut-être que le jeu il a pas marché. Ouais. Ouais. Alors celui-là, je savais même pas que je l'avais, hein. Je sais même pas que ça existait. Synchronisé. Alors, je suis faire de la pub là pendant que l'autre il est en train de se marrer. Alors, Raccoon City 2025. Un bon forum, je vous conseille d'y aller. Il est pas de moi, mais je vous conseille d'y aller. Car c'est un bon forum. Donc, allez-y. Youpi. Ouais. Il est enthousiaste. Youpi. Voilà. Bon, attends, là, c'est une vidéo de test, c'est pas la soluce. Je suis même pas sûr que dessus. Alors, 2003. Ok. Oui, vous le sentez, je vais le saquer pour les graphismes. Chat. Bien sûr, je vais charger la sauvegarde. Ok. Mais j'ai dit ok. Eh oh, arrête de vérifier. Annule. Oui. Mais non, je veux dire. Il m'énerve ce genre de. Ouais. New console. Choix pilote. Putain, ils ont juste traduit ça, le reste c'est en anglais. Merci hein. Ah non, copier un fichier de pilote. Inscrire un nouveau pilote. Ouais, bah nouveau hein. Un pilote. Ah bah on va l'appeler. Attends, au pif. Ah non.
Oui, pilote, pilote. Ah non, j'ai un meilleur nom. Attends, un nom plus classe. Non, pilote, ça craint, non. Satan! Mais ouais! J'incarne Satan! Ah, ça va prendre être. Comment c'est? Mode USA. J'aime pas les Américains, donc je vais pas le prendre ce mode. Opta galerie, sauvegarder, choix pilote, initiation, écran titre. Ok, on va commencer. Je promets déjà. Alors, on a le choix en différents vaisseaux, c'est ça? Ok. Ah, quelle gueule des vaisseaux, j'ai peur. Bon, on va prendre celui-là. Hein. Oh bah on va le customiser, color noir. Voilà. Missile select. Verrouille et poursuivre. Bon bah fragmentation vers l'avant. On va prendre ça. Et bit select. Je sélectionne une bit. Ah bah non, je peux pas. Ok, GameStar. Alors. Humain, normal. Bido, défécile. AirTyper, histoire. On peut m'expliquer ce que c'est AirTyper et Bido? Non, bah parce que rien que sur la jaquette, ils te disent. Faites gaffe au terrible Bido. Ok, ouais. Merci, hein. Bido, c'est quoi? Gamin. Facile, les bébés très facile. Ah, mais je suis un bébé. Ouais. 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 Oh. Ouais. 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 Ah, je fais très bien. J'ai trouvé une nouvelle imitation que j'ai bien fait. J'observais les oiseaux marins sous le soleil. Quand soudain, papapapam, j'entrais dans l'ombre du démon. Et ça, des archines. Attends, on est au triangle des Bermudes ou quoi là? Oh, l'entre des démos, je connais, c'est moi Satan. Ok, donc c'est en 2D. Ok. Oh putain, des aliens! Aïe 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 aïe! C'est la mort là! Ok, donc c'est un jeu de tir en 2D. Ouais, c'est vrai que moi j'aime vachement les jeux de tir. Non, non, j'aime pas. C'est pas mon fort. Je me fais toujours dégommer en 2-2. Je l'avais remarqué pour les rares fois où j'ai contrôlé un vaisseau de ce type-là. Même dans Space Invader, je suis une merde. Alors vas-y. Bon, c'est pas le pire. Hein. Le pire, c'est les jeux de plateforme. Alors là, j'essayais même pas. Ah! Mais je me fais toujours shooter par les trucs avant. Eh, hey. Bonjour toi. T'as l'air pas con. Oh putain, il a un lance-roquette. Eh hey, mec. Eh hey, mec, t'as rien fait. Ready? Oh yeah. Oh putain, il y a un mec. Dommage que j'ai perdu mon attaque surpuissante. Hein. C'est triste. Yo! Oh putain. Ah merde, il fait son attaque. Boum. Ah bah putain, en fait, il était pas si compliqué que ça. Eh, les vaisseaux, là. On se calme, les vaisseaux. Ouais, les vaisseaux. J'adore ces petits rayons, là. Ça fait mal, là, parce que les... Donc j'incarne un truc avec un gros yeux, j'ai l'impression. Et ouais, ce qui tourne là sur mon vaisseau, c'est un gros yeux. Oh putain, les dé... Putain, on se croirait dans les films des années 50 où la crustacean elle est pourrie. Non, là, c'est pourri, hein. J'ai l'impression que mon véhicule il vole de travers, à reculons même. Bon, là, je fais quoi? Non, son deck, c'est pourri. Oh putain, tiens, c'est quoi le laser de poule que j'ai? Oh, je préfère. Non, je préférais franchement le truc rouge. Le truc bleu, c'est de la merde.
Par contre, le truc était sympathique, hein. Le truc. Ah, j'ai un truc vert qui tire en bas. Par contre, c'était quoi le truc? Ouais, le truc qui balançait dans tous les sens, il avait l'air sympathique. Eh hey, mec! Pourquoi il y a une tarentule géante là devant moi? Oh. Ah! Ah! Oh, bordel! C'est pas attaqué par une bestiole là! Poum! Ah, mettez, je t'ai niqué toi! Ok, c'est quoi le petit bidule là que je viens de faire apparaître? Ah, franchement, je découvre. Ah putain! Ah, ça détruit! Ah, c'est génial! C'est un bidule qui me protège. Wesh! Oh, eh, je peux avoir plusieurs pouvoirs en même temps aussi. Ah, je peux avoir différents pouvoirs en même temps. C'est sympathique. Boum. Ah putain! Oh là là! Oh là là! Pas! Pas! Désolé les mecs! En fait, je suis qui? Je fais quoi? C'est quoi ce bordel? Il y a une histoire en moi, tout ce truc? J'ai pas l'impression, hein! C'est même pas foulé à nous faire une histoire! Putain, je tombe que sur des jeux de merde ou quoi là? Ah, je tombe que sur des jeux inutiles. Aucune histoire, rien. Mais attends, c'est qui Bido? C'est qui machin? Oh les effets spéciaux, tout ça, mais pas. Ah non, franchement, Resident Evil Rebirth, c'était le jeu le plus beau de l'époque, hein. Non, non, je l'aime pas le truc bleu. Je le reprends pas. Non, oui. Je l'aime pas le truc bleu. Vous l'avez. Je vais faire ça. Ouais, d'ailleurs, j'en reprends un autre. Ah, putain, arrête de me balancer tes trucs, papy. Bon. Pourquoi le truc vert, des fois il tombe, des fois il va en haut, des fois voilà. C'est quoi ce boss là? C'est l'homme d'argile! Je suis mort. Ouais, il dit. Ah, c'est bien, ils m'ont refait avec les pouvoirs que j'avais à l'époque. Ah, c'est gentil. Ah non, je prends toujours pas le truc de tuer. Voilà! C'est de la merde le truc bleu pour moi. Pour moi c'est de la merde mais alors pure hein. Y'a pas pure merde là hein. Bon, les clôtures commencent à se charger, je me précipite à un endroit où il y a son rayon qui peut pas me toucher là. L'autre merde. Pourquoi je peux pas passer à un autre endroit? Non, je sens des, je comprends la queue dalle à l'histoire mais on va rien dire. Voilà, dès qu'il fait ce bruit, je me cache. Ça veut dire qu'il éjacule. Ok. Oh putain, c'est pas mal. Ah putain, c'est pas bordel. Il y a des météorites qui me tombent dessus. T'arrêtes de sortir de te recacher? Ta fiole! Eh viens si t'es un mec! Oh vas-y! Oh c'est vrai que je peux encore l'avoir d'ici. Heureusement que j'ai un protecteur là-haut. Hein. Oh putain, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah, on peut les péter les pointes là? Eh! Du con. Ce météorite me... Ah non hein. Je vous l'ai dit, ça m'emmerde ce genre de jeu.
moi je vais tester un autre mode, hein. On va pas s'arrêter à 14 minutes. Enfin 15, voilà. Mode you. C'est US ou EVS? Ça c'est tellement mal écrit. Je comprends, donc déjà il n'y a pas de scénario, et c'est de la merde. Et c'est un jeu de tir comme je l'aime pas. Alors Satan VS, Satan VS, Satan VS, le mot de passe. Quoi? Je peux me battre contre le mot de passe? Ah, faut m'expliquer. Bon, bah on va se battre contre nous-mêmes. Non, ne me demandez pas d'explication. Putain. Ah bah celui-là. J'aime bien mon customisé noir là. Je suis ce fighter. Yes. Yes we can. T'as peur. J'espère que l'autre jeu que je vais vous faire, c'est pas aussi pire que ça. Comme je vous ai dit, je vais vous faire encore un test ensuite. Puis après je passerai à Silent Hill 2, la suite de la soliste. Ah, Battle Start, vas-y. Allez, vas-y. Allez, allez les bleus. Allez les oranges, les marrons. Ok, je suis sous l'eau. Ne me demandez pas parfois, je suis sous l'eau. Ok. C'est quoi cette anguille là qui vient de passer en haut? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Hé, je contrôle que dalle. Hé, c'est quoi? Hé, ah, c'est quoi? Mais je contrôle que dalle. Quoi ce mode battle? Je peux pas contrôler mon vaisseau! Mais ça sert à quoi de regarder deux ordi en train de s'affronter? Ok, deuxième mode de jeu, c'est de la merde. Championnat, vas-y, on teste. Vas-y. Morningstar, silence un peu, machin truc. Vas-y, j'en choisis un PF, voilà, et pour voilà. Pour la dernière minute, on fait ça. Faut m'expliquer. Attends, c'est quoi ce mode battle pourri? Je contrôle que dalle. J'ai l'impression que c'était pas moi qui contrôlais le vaisseau, c'était l'IA. Attends, mais ça sert à quoi des combats en 2IA? C'est quoi ce jeu de merde? Et là, je contrôle encore que dalle, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Attends là! Non, même quand je bouge pas, il tire! Non, non, non.
simple massacre. Abandonné. Mais je ne contrôle même pas le vaisseau. Ah, si quelqu'un a ce jeu et qu'il a compris quelque chose, qu'il m'explique, hein, en commentaire ou je sais pas, en MP, voilà. Attends. L'IA? Putain, mais c'est quoi ça? Oh là là, franchement, j'ai l'art de tomber sur des jeux de merde. Alors, galerie, chronique, les chroniques de guerre. Wesh, temps de jeu total. Ouais, 7 minutes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et puis basta, les gens. Basta.